Alors, est-ce que vous allez bien, bien? Ah bah oui, j'ai quelques petits problèmes d'érection en ce moment, ça va très bien. Bon, c'est juste avec ma femme que ça va trop, mais regardez, elle m'a même déboîté le genou, tellement qu'on s'est bien niqué, pendant que j'ai pas fait catcher. Ben voilà. Bah c'est pas grave, hein. Bon, qu'est-ce que j'ai à foutre ici, putain, à part mes problèmes d'érection quand même. Bon, je peux faire un message pour les enfants, allez vous dépister, hein, comme je me connais. Hein. Je vois ça, ils veulent entendre quoi. Ben en fait, on parle pas de vos problèmes d'érection, mais juste est-ce que vous serez à vos amis ou pas, ou contre votre mariage. C'est juste ça, on s'en bat les couilles, votre bite qui s'enflamme vite. Ah merde, oh, j'ai fait une couille, oui. Ah merde, même là je les regarde. Regardez le panneau. Ah ben, je sais pas si je serai là. Hein. Faut voir hein, sur mes clientes hein, si c'est à quel jour les chèvres, vous aimez. Bon, je verrai bien, peut-être. Allez, allez, je pense que je serai là, mais je me ferai pas démonter le cul. Bon, ce sera ma femme qui sera triste un jour-là. Eh oh, toi, t'as fait le balai, ça sert pas de baiser ma femme comme ça tranquillement. Tu crois vraiment que j'avais pas vu tromper ma femme? Franchement, avec ta petite béquille, t'es sûr que c'est une femme qui t'a baisé? Parce que là, t'arrives même plus à t'asseoir sur cette béquille, donc tu te fais enfoncer par le cul. Espèce de PD. Ça te sert à quoi d'avoir une béquille quand t'enfonces trop? Faut pas faire du catch, hein, faut faire comme le truc que t'avais fait sur Twitter, hein, montrer ton sgeg hein, sur Twitter. Et avec ton titre là, la con, ah merde, c'est vrai, tu as écouté ton titre universel, tu ne peux plus cacher ton pénis. Et moi, j'ai gagné, regarde mon bras, je suis bien. Regarde, j'ai le bras haut. Moi, regarde derrière, il y a un bisounours derrière. Je fais un câlin bisounours? Non, parce que j'ai fait des câlins, tu auras une deuxième béquille et tu seras obligé d'être assis sur une chaise. Car tous les deux, on va t'enculer à vous aimer si tu viens. On va t'enculer, donc ne viens pas. Tu me regardes moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, hein? Hé, avec ta béquille, hé? T'as pas vu les fois quand je t'ai enculé? Alors tu vas un peu te calmer, hein? Tu vas aller chez le coiffeur, faire une belle petite coupe de cheveux, et arrêter de faire le malin, hein? Parce que moi, regarde, moi je suis beau. Allez, va chez le barbier. Tu pues. La merde. Qui pue? Je t'emmerde. Passionnément, à la folie, pas du tout. Ceci est un YouTube plus merdique, donc un gamin qui fait ma voix. Donc je ne dis pas ça normalement, mais je vais quand même t'enculer. On va pas être trop vénère, les yeux de la mort, et tu me fais peur, et on te fout un coup de boule, et t'es déjà par terre, et c'est parce qu'on est divisé en hommes et les garçons, ça fait le malin. Et toi, t'es calme maintenant, hein. T'as fait les yeux noirs, hein. Tu ne fais pas peur, hein. Moi, j'ai 45 ans, je te fais enfoncer plein de fois, donc t'arrêtes de faire la gueule. Hein. Pas de ma faute, t'as essayé de t'enculer à Wuzemania, pour que tu aies une deuxième de béquille. En plus, t'es con, t'as même pas vu que l'autre côté derrière toi, qui t'était déjà à quatre pattes. C'est pour ça que la caméra, elle passe sous toi du corps. Et donc, toi, te calmer tout de suite, t'arrêtes de baiser ma femme, sinon, moi, je t'encule. Oh, il fait toujours la gueule, là, il ouvre toute la paye un peu. Comment je peux barrer, c'est pour un couillon. Et attends un peu. Attends un peu. Tu vas attendre. Tu dis qu'à vous aimer, tu vas enculer. Bah c'est moi qui vais t'enculer. Avec ma béquille, plus ma bite, dans le cul. Stéphanie aussi, elle pourra même plus te. Elle pourra même plus la baiser. Tu seras même plus président de la WWE. Quand Vince McMahon, le vieux con, sera mort, il donnera son fils Shane. Tu crois vraiment qu'il vous donne ça? Mais deux, avec un pseudonyme Triple H. Oh, c'est bon, on va se calmer. Moi, je suis le main. C'est parce que j'ai des cheveux de fille et une apparence de fille. Votre fille, quelle est cette fille? Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de preuves, mais t'as pas vu ce qu'il y avait en dessous. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles plus? Tu vas arrêter de faire plus malin?